Des promos pas si promotionnelles que cela. Chez certains centres Leclerc et Carrefour, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a marqué sur les étiquettes. Pour preuve, le tribunal correctionnel de Rouen a condamné 5 d'entre eux pour pratiques commerciales trompeuses. Tous les grands groupes comme ça, dès qu'ils peuvent nous arnaquer, ils n'hésitent pas. Hein. Et comment dire, ils profitent de faire des étiquetages, comment dire, attrayants pour tromper le consommateur. Vous êtes déjà fait tromper ? Bah sûrement, oui. On s'est déjà aperçu plusieurs fois d'acheter des choses à l'unité qui étaient moins chères en fait que les promos. Quoi. Ça, on s'en est déjà aperçu ça. Et ce sont ces techniques de vente qui ont été jugées illégales. De plus, le consommateur ne disposait pas toujours de prix de comparaison en rayon. Des procédés découverts lors de contrôles effectués entre fin 2011 et début 2012 par les enquêteurs de la direction départementale de la protection de la population de Seine-Maritime. Ainsi, les magasins Carrefour de Mont-Saint-Aignan, Tourville-la-Rivière, Barentin et les centres Leclerc de Rouen-Saint-Sever et Yvetot devront s'acquitter d'une amende totale de 140 000 euros. Bah, ils ont triché, ils se sont fait prendre, mais tant mieux pour eux. Quoi. Enfin, tant pis pour eux et tant mieux pour nous. Quoi. En espérant que c'est des conséquences et que les prix passent enfin. Du côté de la grande distribution, on affirme que ces opérations de promotion étaient réalisées par les fournisseurs qui conditionnaient eux-mêmes le produit.